Bien, s'il vous plaît, merci de partager. On est en mode restriction. On est restreint. Merci de partager. On est restreint. Il y a le brouillage. Il y a la restriction. Les médias sont fermés. Voilà. Depuis 2 jours, Internet mobile est coupé au Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir. Pour les gens qui sont là-bas, ils se disent, ah, le Sénégal aussi, Macky Sall fait ceci, Macky Sall fait cela. Le problème des Sénégalais, c'est le problème des Sénégalais. Cela ne nous regarde point. Voilà. Après, ils ont réactivé Internet. C'est vous qui avez coupé Internet là-bas parce que tu as peur de partir. Parce que tu as peur. Tu es un voleur, un assassin. Tu as volé, tu as tué. Tu as peur qu'on te fasse la même chose que tu as fait à Alpha Condé. Tu coupes Internet, tu coupes les médias qui ont fait ta propre campagne pour que tu t'installes dans un pouvoir immérité, illégitime, qui ne te mérite pas, que tu ne mérites pas. Aujourd'hui, tu veux tout faire pour fermer les réseaux sociaux, pour fermer tous les gens qui sont en train de fournir des efforts pour que la vérité puisse triompher en République de Guinée. Awa beta imu norma, tu ne peux pas réussir. Imu norma to, imu norma tina. Ça, tu peux en être sûr et certain, Jordan. Tu peux en être sûr et certain. Merci de partager. Merci de partager. Mala fala obe. Merci de partager. Le plan est fait. Tout est prêt. Tout est carré. On va partager des... Primo, il n'y aura pas élection. On ne part pas aux élections. On ne part pas au calendrier électoral. Il n'y aura pas de calendrier électoral. On se dirige vers quoi? On se dirige directement. Je dis bien, les Français sont venus. Comme je vous avais parlé du bateau, les gens sont partis faire sortir bateau là sur TikTok. Je m'en fous. Ici, quand tu viens, tu dis, il ment, après tu verras. C'est ça, le vrai, la réalité plutôt. Maintenant, les Français sont partis installer le camp, leur base militaire, pour contrôler toute la sous-région dans Massanta. Le camp là est fini, monté de toutes pièces. Les pistes d'atterrissage qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire à Labé, sur le mont, entre Labé et Mamoula, la montagne qui est entre Labé et Mamoula, la montagne où on monte, et puis on voit presque tout le Fouta là. Là où ils avaient dit qu'ils vont faire base militaire là. Vous comprenez, non? Maintenant, la machine en place, les cibles visées, et Allah, maman dit, wallahi billahi tallahi, Dieu va te maudire. Dieu va te... C'est-à-dire, Dieu va t'anéantir. Dieu va te faire bouillir. Comme quand on prend, je dis bien, les chaînes d'or là, on met dans l'eau de fumée là, le feu, comme volcan là. Wallahi billahi. On parle, vous ne savez rien. L'internet ne sera jamais réactivé en Guinée. Le courant ne sera jamais rétabli comme ça. L'eau, pareil. Les attaques terroristes vont commencer. Ce n'est pas des terroristes. Je dis bien. Les attaques préparées pour instabilité totale, le pays dans le chaos. Ils vont commencer. Et le peuple, c'est le peuple qui est la cible. Et c'est le Fouta qui est la cible. Et
C'est la région Fouta et Forestière qui sont la cible. En ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a des bataillons. Je dis bien des bataillons et des bataillons envoyés par Idi Amin le long de la forêt. Le tout dirigé par l'armée française. Par l'armée française, je dis bien. Les commandants de l'armée française avec toutes les dernières technologies. Donc, la zone forestière et la zone du Fouta, vous êtes la cible de personnes appelées par Mamadi de former une rébellion. C'est-à-dire un rebelle, bandit, malhonnête, assassin, vient tuer des gens, élimine des gens, s'installe au pouvoir. Maintenant, il a peur qu'on lui fasse ce qu'il a fait aux autres. Pour tout maintenant, c'est de donner la Guinée aux Occidentaux. Vous savez que la France a perdu le Mali. Vous savez que la France a perdu le Niger. Vous savez que la France a perdu le Burkina. Maintenant, pour la France, la seule base arrière de la France pour l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est la Guinée. Et cette Guinée-là, pour que la France puisse gérer ses affaires tranquillement, sans que le problème qui s'est passé au Mali, au Burkina et au Niger ne se fasse, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il faut tout faire pour maintenir Mamadi. Donc, il faut tout faire pour maintenir Mamadi. Donc, c'est Mamadi. Actuellement, Mamadi, c'est le fils aîné de la France. Actuellement, Mamadi, c'est le meilleur élève de la France. Actuellement, Mamadi, c'est le diamant pour la France. Donc, Mamadi, étant le diamant pour la France aujourd'hui, est d'accord de sacrifier les gens pour sa sauvegarde, rester au pouvoir. Élection Mourabama. Il n'y aura pas de calendrier des élections. Il n'y aura jamais des élections. Et apprêtez-vous, les ministres actuels qui sont dans le CNRD actuellement, beaucoup vous allez être poursuivis, beaucoup vous allez être jetés en prison, beaucoup vous allez être éliminés physiquement. Je répète et je dis, les ministres gouvernement actuels du CNRD, beaucoup vous allez être poursuivis, beaucoup vous allez être jetés en prison, beaucoup vous allez être éliminés physiquement, parce que beaucoup parmi vous ont été enregistrés à vos insus, critiquant la gouvernance, parlant de vos regrets, parlant de tout ce que, si vous savez, si vous avez eu les connaissances avant des vraies intentions de Mamadi aujourd'hui, vous n'allez pas être dedans. Et ça, ça va vous coûter de la quinine. Donc, l'info à mémoriser, le Fouta, la forêt, s'il vous plaît, faites attention, des personnes déguisées vont aller vous, c'est-à-dire vous provoquer, faire des dégâts pour que on puisse dire que, ils puissent dire que la région de la forêt, la région du Fouta, il y a de l'instabilité et ils vont commettre des dégâts. Le camp à Massanta est déjà terminé. Le camp à Massanta est déjà fini. Un Mamadi malhonnête, bandit, assassin, criminel, qui a sa place aujourd'hui, pas dans un palais, mais plutôt dans une prison de haute sécurité, c'est-à-dire crime contre l'humanité que le gars est en train de commettre. Demandez les gens de la forêt. Il y a un massacre qui ne dit pas son nom en forêt. Actuellement, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a un massacre. Actuellement, à l'heure où je suis en train de vous parler, en forêt, quand ils sont en train de rechercher Claude Pivi, chaque jour que Dieu fait, les gars sont en train d'assassiner des gens, torturer des gens, de faire sortir Claude Pivi,
de faire sortir Claude Pivi. C'est pourquoi il a fermé les radios privées. C'est pourquoi il a brûlé les radios, les médias, tout. Parce que ce qui est en train de se passer en forêt, c'est comme ce qui est en train de se passer au Nord Kivu. Est-ce que vous comprenez? Il est parti prendre des leçons à Paul Kagame pour ça. Comment se maintenir? Comment rester au pouvoir? Vous n'êtes pas sans savoir que l'instabilité qui règne dans le Nord Kivu, entre la Congo, la RDC et le Rwanda, le massacre que Paul Kagame a fait là-bas, comment Paul Kagame a éliminé les opposants, il est parti prendre ça. C'est sorti en rumeur que Paul Kagame lui a dit de quitter. C'est des conneries. C'est pour vous faire vaciller, aller vous faire naviguer ailleurs. C'est faux. Même pour l'affaire de Espace, je vous en prie, affaire de Espace, s'il vous plaît, il faut rester 50 sur 50. On dit que on a resté un Espace, on a dit Espace ne peut plus parler de politique, c'est rentré sorti comme ça. Il faut rester 50-50. 50-50 comment? Le gars Moussa Moïse, qui est le directeur de la DCI, il vient de la radio Espace. Voilà. C'est comme quand tu peux grandir avec un ami, vous passez tous les moments de galère ensemble, et l'ami là parvient à se détacher, à devenir encore plus grand que toi. Il peut t'oublier. Il peut te faire comme son premier ennemi. C'est possible. Mais la réalité du palais, je vais vous dire la réalité de mon médecin. La réalité de mon médecin, c'est que Moussa Moïse est petit dans l'affaire là-bas. Moussa Moïse est petit dans les décisions de là-bas. C'est ça la vérité. Hein? Voilà. Il faut. Moi, je vais vous battre dans la légalité. C'est-à-dire, je vais dire toujours la vérité sur vous. Parce que ce n'est pas le peuple qui est important. Ceux qui viennent dire oui, c'est faux, c'est rentré, sorti comme ça, je ne les calcule pas. Mais je sais que vous, vous savez que je ne raconte pas de conneries. C'est ça la force. Entre vous et moi, consciencieusement, vous savez que je ne raconte pas de mensonges. C'est ça la force. Maintenant, Moussa Moïse, là-bas, on prend des décisions militaires. Il n'est pas militaire. Il n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Il peut seulement donner son avis par rapport à des choses. Mais dire qu'il peut s'imposer pour dire que oui, je veux faire tel, c'est faux. Il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas cette... Il n'a pas ça. Mais pour Espace, c'est 50-50. Ça peut être aussi, un jeu pour dire que, il ne faut pas qu'on fait croire aux gens, il ne faut pas qu'on dise que c'est les autres. Il faut seulement mettre le nom de Espace devant pour ne pas que le nom de Moussa Moïse, on dit que Espace est trop, comme ce qu'on dit sur Espace. Est-ce que vous comprenez? On reste 50-50 sur l'affaire de Espace. Tout est possible parce qu'on est avec Mamadi Doumbouya. Il a fait rentrer les Français. Les marins français sont là actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que ces marins français sont au port de Conakry. Et ces marins français viennent pourquoi? En disant qu'ils sont là pour la lutte contre le terrorisme. Ils sont là contre le trafic de vente de drogue. Ils sont là contre tous les mâles, les trafics dans les eaux de Guinée. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont mis comme avance. Mais Mamadi sait que réellement ils sont là. Pourquoi? C'est pourquoi les gars ne vont jamais passer à la télévision nationale. C'est-à-dire pour ne pas que le peuple aura colon. Vous vous réveillez que oui, ce qu'on dit de Mamadi, c'est ça, c'est vrai. Mamadi, il est avec la France. Les Français sont actuellement accostés. La marine française est accostée en Guinée depuis des semaines. Ils sont en train de travailler. Et pourquoi? Parce que Matouré a dit que les personnes qui vont faire coup d'état à Jordan vont venir par la mer. Donc pour ça, Jordan met tout en position, c'est-à-dire toutes ses forces pour que la France puisse l'envoyer un navire marin qui va sillonner tout le long des frontières guinéennes. Est-ce que vous comprenez? Donc les blindés qu'il a fait venir, qu'est-ce qu'il a fait de ça, Jordan? Il a entouré, c'est-à-dire mon médecin qui est là, voici mon médecin,
Il a entouré tout mon médecin par les blindés. Tout mon médecin qui est entouré de blindés comme ça. Jordan, Rewoma, Nien. Mais 100 000 blindés, tu dors sous 100 000 blindés là. Quand Allah vient te chercher, tu ne vas même pas savoir comment tu as quitté là-bas. Mais 100 000 blindés, tu dors sous les 100 000 blindés là. Quand Allah va venir te chercher, tu ne sauras pas comment il vient te chercher. Il est venu te chercher. Donc, à savoir, la forêt actuellement, là où je suis en train de vous parler, ils sont en train de faire des massacres en forêt. Ces massacres en forêt là, pour la recherche de Claude Pivi, tuer des gens tous les jours, ça va se résumer sur quoi? Que les forestiers vont devenir rebelles. Vous allez voir des cibles bientôt. Les Français vont faire comme ceux qu'ils font en France, dans les pays, pour dire que colis suspect, tant, ou la Maranam ou la Guinée. Ça ne va jamais marcher en Guinée. La Guinée, c'est un pays béni. Ça ne va jamais marcher en Guinée. Le gars, c'est-à-dire, se met dans le palais là-bas, en train de droguer tous les jours. Droguer tous les jours. Regardez-le. Regardez son visage en Yuemato. Drogue sodée. Parce qu'il ne prend que la cocaïne. Regardez son nez. Regardez son nez. Regardez. Là où la cocaïne rentre. Là où la cocaïne rentre. Le sang est là-bas. Regardez. Regardez son nez. Hein? Le gars ne fait que prendre la cocaïne. Il laisse le pays dans la main des gens qui veulent faire tout ce qu'ils veulent de notre pays aujourd'hui. Regardez. Regardez son nez là-bas. Hein, Jordan. Un drogué de première classe. Allah au Mali. Inch'Allah. Donc, ce qui est sûr et certain, tant que Mamadi sera là, la Guinée ne verra pas le soleil briller. Affaire de Indien, Ashok, Washwani, Karun Washwani, Tepu Dipak, volume 2. On va mettre ça sur la place publique. Mais Ora Kolom, informez tous vos parents. Quand vous voyez des véhicules suspects, des personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir, ils sont dans des petits frigons actuellement. Des frigons. Beaucoup de blancs, des Français sont partis. C'est-à-dire là, comment? Attendez, je ne veux pas filmer là où je suis là. Je vais vous mettre la photo des véhicules dans lesquels les Français là circulent. C'est des Peugeot là, les frigonnettes là, bien climatisées là. Quand vous les voyez, ils sont tous habillés blancs là. Hein? Ils sont tous habillés blancs. Eh, c'est pas en blanc, mais ils sont tous des blancs. Habillés simplement, ils ont des appareils photo comme si c'était des gens qui sont venus faire des visites. C'est rentré et sorti comme ça. Non, c'est pas eux, c'est des militaires. Ils sont tous militaires français. La Guinée est remplie de militaires français en ce moment-là. La Guinée est remplie de militaires français là où je vous parle. Le jour que vous allez entendre que quelqu'un essaie de renverser Jordan, c'est les Français que vous allez voir venir défendre Mamadi. Parce qu'ils sont là-bas, là, actuellement. Là. La Guinée est remplie de blancs actuellement. Je vais essayer de vous, parce que vous ne pouvez plus changer ça. Je vais vous publier la photo des véhicules où les Français la roulent. Je parle de nos personnes qui sont à l'intérieur, ceux qui sont en forêt, ceux qui sont au Fouta, ceux qui sont en Haute-Guinée. Les véhicules là où les Français roulent, ce sont des véhicules de marque française, des Renault et des Peugeot là, avec des Toyota, des jars de pick-up. Que Dieu te maudisse, étant drogué, que Dieu te maudisse, que Dieu te maudisse, toi, drogué, que Dieu te maudisse, amine, que Dieu te maudisse, amine, Mamadi, que Dieu te maudisse, drogué, que Dieu te maudisse, Dieu il te maudisse, étant assassin, criminel, bandit, drogué, que Dieu te maudisse, étant qu'au général de merde, de quel pays, assassin, tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux actuellement, pour que le Sénégal et la Guinée, il y a tension, Guinan Narambira, c'est ce qui lui fait plaisir, Guinan Narambira, drogué, wa nyamato, a drogue raté ma denere, c'est là, a drogue sniffé ma bénin, c'est là qu'il sniffe, ou li matou na kui, ou li fong imato na kui,
drogué. Que Dieu te maudisse. Et à la tine. À tout à l'heure.